Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format des Makers où on prend les personnes qui ont rejoint la formation il y a quelques temps, quelques mois, peut-être quelques années, et ils viennent nous donner un peu leur retour sur la formation, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils n'ont pas appris. Donc aujourd'hui, on reçoit Kylian qui est à Malte, il me semble. C'est ça, actuellement à Malte, et je vis ici, je travaille ici du coup maintenant. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui tu es, d'où tu viens? Ok. Alors Kylian, du coup j'ai 21 ans, à la base je suis breton, j'ai fait une école de commerce à Rennes, et j'ai découvert le SEO du coup un peu de mon côté, puis après j'ai voulu apprendre des bases, donc j'ai pris la formation d'Asynchrone, et petit à petit du coup, ça a eu, bon, on en discutera après, mais ça a eu plein d'effets, effet un peu papillon, effet boule de neige pour moi, et donc je me retrouve maintenant dans une agence SEO à Malte, et je vis à Malte du coup. Propre. Et t'as quel âge? 21. 21 ans. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu étais avant le SEO? Donc tu faisais quoi? Il me semble que tu étais étudiant, c'est ça? Ouais, j'étais étudiant du coup à l'école de commerce de Rennes, la School of Business. Bachelor classique, classico-classique, marketing, commerce, voilà le basique. Je projetais de faire un master à la base et puis bon, bah, le destin en a décidé autrement, quoi, donc voilà. C'est marrant, c'est un peu le même parcours. J'avais un bachelor en marketing et développement commercial et je pensais Ah bah faire c'est un ça. master et j'ai tout lâché. Donc, Ouais, ok, c'est ça. tu es étudiante, tu es en train de faire tes études, tu as envie de faire un master. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quel moment tu as voulu te mettre à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête avant? Alors, à la base, moi, le SEO, je voulais pas forcément faire mon métier. Moi, je voulais lancer des sites de mon côté pour faire un peu de d'à côté, quoi. Je voulais faire un truc le soir quand je rentrais qui me faisait plaisir. Faire mettre un peu de beurre dans les épinards, faire un peu plus d'argent, et puis voilà, mais je voulais pas forcément faire mon métier. Mais ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà petit à petit, je commençais à me dire que j'allais pas faire de master parce que ça m'ennuyait très fortement d'être assis dans une classe toute la journée, et je savais que je pouvais faire plus et j'avais des capacités. Enfin, très honnêtement, alors bon, ça reste école de commerce, donc forcément, ça va en faire sourire certains, mais c'est vrai que pour le coup, on se balade, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est très très simple, les heures de cours, c'est pas d'une difficulté assommante, donc oui, non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je commençais à me dire, bon, j'ai les capacités de faire plus et j'aimerais bien faire plus. Et donc, bon, j'ai pris la formation, bah, la tienne, du coup, pour me dire, bon, je vais apprendre un peu les bases, je vais lancer mes sites de mon côté, et puis on verra bien, si jamais j'arrive à être rentable dans un an, septembre prochain, et bah, je prends pas de master, et puis je pars tout seul, je vais vivre en Europe de l'Est, ou un truc où c'est simple, quoi. Et puis, au final, moi, je devais partir 6 mois en Russie, au mois de février, pour terminer mes études. Pour des raisons évidentes de guerre, j'ai pas pu y aller. Et donc, du coup, bah, on m'a dit, bah, faut que je trouve un stage. Et je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un stage dans le SEO. C'est ce que je fais en ce moment. C'est ce qui me fait plaisir, ce qui me fait kiffer. Donc, bah, allez, let's go, quoi. Et donc, j'ai pris, dans une petite entreprise, un truc de 2 mois, un site d'e-commerce qui bosse dans le yoga. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le fait de, tu vois, j'étais directeur. Et SEO manager, j'étais tout seul, donc j'étais manager de moi-même, mais SEO manager d'une petite site e-commerce, machin. J'ai réussi à négocier des backlinks avec genre le leader européen, leader FR, machin du secteur yoga, donc ce qui est pas mal parce que elle galérait depuis 2 ans et elle m'a dit, bah voilà, si t'arrives à faire ça, je te recommande à des potes qui tiennent une agence SEO en Thaïlande que tu connais. Je sais pas si je peux dire les noms, mais bon, Si, si, bah voilà, dis-le. en tout Bah, je cas, pense, hein, après, je passe tout à l'heure à corps, mais bah je sais moi, pas, c'est. bon, après. C'est en tout cas, bah après, du coup, j'ai été pris chez Green Tomato Media. Donc, c'était pour un contrat court, quoi. Enfin, c'était pendant 4-5 mois. Et du coup, je faisais ça en parallèle de mes études. Donc, je finissais mes études, donc mon mémoire, mes cours, forcément, mes contrôles, préparer mes oraux, etc. Et 20 heures par semaine en plus, je travaillais pour Green Tomato. Parce que je voulais apprendre, quoi. Donc, bah, du coup, Léo, c'était mon manager à ce moment-là. Il m'a fait Léo passer un step, Poitevin. ouais, mais au point de vin, qui m'a fait passer un gap de fou, quoi. Pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Et ensuite, ça s'est terminé avec Green Tomato. Et là, du coup, je me suis retrouvé un petit peu comme un con. Je me suis dit, ah merde, putain, j'aimais bien cette petite passade SEO. J'ai pas envie que ça s'arrête. Puis j'aime bien, quoi. Puis je progresse vraiment. Donc je sens l'intérêt. Et puis Léo m'a recommandé sur Twitter. Il m'a fait un tweet élogieux. Si vous cherchez un SEO junior qu'on a sous la pédale, n'hésitez pas. Et là, j'ai eu, mais tout le monde qui est venu me parler, enfin, que ce soit des outils SEO, que ce soit des agences SEO, des sites d'e-commerce, j'ai eu tout le monde dans mes DM. Mais je voulais continuer de me perfectionner. J'aurais pu prendre un truc pour un outil SEO ou pour un site d'e-commerce privé, faire SEO pour eux et être payé plus que ce que je suis payé maintenant et avoir mes sites en parallèle, etc. Mais je voulais apprendre plus, quoi. Je voulais vraiment
aller au fond du truc et qu'après, quand je me lancerai en freelance ou que je serai dans le consulting ou que je bosserai pour une boîte qui veut vraiment du SEO, machin, bah, je serai pro, quoi. Je serai perfectionné, je saurai exactement comment ça fonctionne. Et du coup, c'est ça que j'ai. Donc, du coup, actuellement, je travaille pour une agence SEO à Malte. Ça fait déjà 6 mois et ça va continuer pour je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, moi, je suis bien ici. Donc, pour l'instant, je m'amuse bien et j'ai 21 ans, donc j'ai le temps. Voilà, c'était une très très longue réponse. Je remarque maintenant, mais voilà. Ouais, Mais je crois qu'on va couper au moins, maintenant. on arrête. Au moins, tu as eu le déroulé. Non, mais c'est magnifique. Écoute, je voulais commencer par toi parce que je trouve ça vraiment cool. Tu m'as tenu au courant pas mal de ton avancée. Et c'est vrai que tu me disais, ok, trop cool, je viens d'avoir un stage. Après, tu es passé chez Green Tomato. Et je me souviens, tu cherchais un stage et tu savais pas trop. Tu es passé chez Green Tomato. Et j'ai l'impression que c'est passé 2 semaines. Et 2 semaines après, tu étais déjà à Malte, à bosser là-bas et à vivre là-bas. Et je trouve ça Ça vraiment dingue à a été quel très point rapide. c'est allé vite. Si on reprend, première question, est-ce que tu connaissais le SEO avant de rentrer dans la formation? Oui, je connaissais parce que bon, j'ai pas envie de donner les noms parce que j'ai envie de faire de drama, mais j'avais déjà pris une petite format, mais un petit truc à la con, quoi, de quelqu'un que je vois plus trop d'ailleurs dans ma TL, donc je sais pas si on s'est aperçu que c'était un scam, mais bon, c'était de la flûte, quoi. Moi, à la base, je voulais faire du copywriting. Parce que je voulais faire ça en parallèle de mes études. Je me suis dit, bon, bah, écrire des pages de vente, écrire des campagnes d'emailing, c'est faisable. J'ai toujours aimé écrire, donc pourquoi pas, voilà, je peux faire ça en freelance, ça met un peu de thune de côté aussi, machin. Et puis, au final, bah, j'ai pas aimé, quoi, écrire des pages en permanence. Moi, ce qui m'énervait, c'est que j'écrivais des pages pour des gonzes, qui les utilisaient pas comme il fallait, et je me suis dit, bon, bah, ça me fait chier, j'ai envie de leur montrer comment il faut faire. Sauf que, bah, non, je suis que rédacteur, donc, enfin, que rédacteur, évidemment. Même si c'est central dans le SEO, les rédacteurs. On en a plein, nous, dans la boîte, là. Si jamais ils n'étaient pas là, je m'imagine pas écrire le contenu à la main, quoi. Ouais. C'est impossible. Tu Donc, m'étonnes. voilà, non, je connaissais déjà, mais c'est vraiment genre avec ta format que du coup, j'ai appris les bases, quoi. Ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Voilà. Et tu disais septembre, du coup c'est septembre l'année dernière que tu es rentré dans la formation ou avant? Je sais plus, putain, ça fait. Je te jure, il s'est passé trop de trucs, je sais même plus, j'ai plus de notion du. Ça va faire 1 an et demi, je pense plutôt, je sais Un an plus. et demi. Donc, en 1 an et demi, tu es rentré dans le SEO, tu as fait tes sites de niche, tu as trouvé un stage et aujourd'hui, tu as été embauché. Donc, Ouais. à un contrat long terme, entre guillemets, enfin, tu es là-bas sur le long C'est terme ça. à Malte. Exactement. Est-ce que sur le côté, déjà bravo pour ça, honnêtement bravo, parce qu'il y a beau avoir la formation ou quoi que ce soit, tu t'es bougé. Tu t'es donné des opportunités, t'as été efficace parce que tu vois, Léo, il n'aurait pas recommandé n'importe qui, tu as été vraiment efficace. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est quand même grâce à toi. Donc, bravo dans un premier temps. Bah, merci, merci. Et dans un deuxième temps, moi, ce que je voulais te poser la question, c'est au niveau site de niche, tu en as lancé un peu? Alors oui, bah, le premier site que j'ai lancé, c'était un site de survie. Donc sur la niche de la survie, parce qu'on était en plein confinement, Troisième Guerre mondiale, on va tous mourir. Je me suis dit, bon, c'est sympa, tout le monde est en train de s'échiner sur, enfin, de s'étriper sur Twitter. Moi, je vais vous vendre des couteaux Amazon, et puis on va tous se calmer. Et du coup, j'ai vendu des pailles à la con, là, pour filtrer la flotte, des couteaux Amazon, des machins, et ça marchait pas trop mal. Sauf que j'ai un peu laissé tomber, parce que quand j'étais chez Green Tomato, on pouvait pas avoir de site à côté, donc du coup, je l'ai un peu laissé tomber le site, et c'est vrai que je l'ai pas repris. Je crois même que mon NDD s'est expiré, enfin, c'est. J'ai pas renouvelé, je crois, mon haut de switch, enfin, c'est catastrophique. Mais j'ai envie de relancer, et c'est vrai que pour le coup, là, j'ai 2-3 piges, je suis en train de relancer potentiellement. Je me lancerai bien dans la niche X, moi. Ouais. Donc, ouais, parce qu'avec les régies pub, j'ai un pote qui fait ça, et. Ah, c'est pas mal quand même. Puis c'est un tout autre Ouais, le secteur, seul donc. truc qui est difficile, c'est que tu peux pas trop bosser dans des espaces de coworking avec ça. Ah non, non, c'est Ouais. sûr. C'est sûr. Mais Mais bon. bah écoute, c'est sûr que ça fait de l'argent. Mais c'est vrai que c'est marrant, je voulais en parler, c'est que tu t'es fait la main en gros sur ton site de niche. Et même si au final, tu vois, l'édition de site de niche n'est pas aujourd'hui ton business principal, tu vis pas de ça, ça t'a amené des compétences qui ont fait que tu as été recruté et que tu as pu faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Exactement. Non, exactement, c'est ça. Ça m'a donné les bases, et puis ce qui est bien, c'est que
Bah, je faisais en même temps que ta formation. En fait, moi, j'avais mon site à côté et puis ta forma à côté. Puis, je faisais exactement comme toi. Je me suis dit, évidemment, je ne vais pas faire que des sites à la façon asynchrone toute ma vie. Et voilà. Mais au moins, ça m'apprend à gérer un peu les trucs. Et d'ailleurs, c'est là que je me rends compte. On a notre propre back-office. On n'utilise pas WordPress, bah, dans la boîte où je suis. C'est pas moi qui gère genre Elementor, ces trucs-là. Mais je suis content d'avoir su le faire parce que si jamais j'étais juste rentré dans ce genre d'entreprise sans avoir. En utilisant simplement leurs outils. Quand après tu quittes l'entreprise, tu sais pas utiliser WordPress, tu sais pas utiliser Elementor, tu sais pas faire l'édition de site, tu sais rien. Et donc du coup c'est bien d'avoir ces bases-là, même si je doute que dans une entreprise je vais utiliser Elementor, mais au moins je connais, quoi. Si jamais on me fout un truc comme ça sous les yeux, je vais pas parler chinois, Chinois. quoi. Je vais savoir un peu ce que c'est. Donc Ok, cool. Bien cool. Et du coup, la formation, elle t'a aidé comment pour toi? c'est ça. Moi, pour moi, c'est vraiment c'est les bases. C'est on part enfin j'étais vraiment novice, j'avais quelques notions mais ça restait du théorique et du pratique, j'avais rien du tout, et ta formation elle m'a amené du pratique. Et après moi, pour moi c'est comme toute formation, c'est pas une recette miracle. Enfin, je veux dire, si quelqu'un a pris ta formation en disant si je suis exactement ce qu'il fait je vais devenir riche, ça marche pas comme ça. Donc pour moi tu apportes des connaissances, de la plus-value, du bonus, de tout ce que tu veux, vraiment des informations, une aide. Mais après, c'est à tout un chacun de savoir ce qu'il en fait. Et pour moi, c'est voilà, ce que ça m'a apporté, c'est des compétences, un certain point de vue aussi sur le secteur, sur le marché que j'avais pas parce que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis aussi de me positionner, de me dire, OK, comment est-ce que je joue par rapport à quoi? Quand on est venu me parler, je te dis après Green Tomato, OK, toute la connaissance que j'avais accumulée et donc aussi ta formation, ça m'a permis de me dire, est-ce que je saute sur la carotte là, ah putain, un poste de SEO manager dans une entreprise, un site d'e-commerce, machin? Ou est-ce que j'essaie de me perfectionner et ces connaissances-là, je les vendrai aussi plus cher plus tard. Enfin, voilà, ça. Vu que c'était la première vraie formation entre guillemets que je prenais sérieuse, ça m'a aussi apporté aussi un regard sur le marché. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà C'est quoi. très Sur clair, t'inquiète. le principe de vendre des connaissances, voilà. Et sur la Ok. plus-value que tu apportes et combien tu peux la vendre. Voilà. Ok, et donc là, écoute, c'est déjà un beau parcours, tu as 21 ans, ça fait 1 an et demi que tu t'es lancé, je pense que tu as un bel avenir là-dedans. Est-ce que toi, tu étais comment dans ta tête avant? Est-ce que tu te pensais que ça allait être facile quand tu t'es lancé ou tu sais, enfin, même quand tu as pris ta première formation après qui n'était pas top ou peu importe, dans ta tête, c'était OK, je vais me lancer, dans 1 an et demi, je suis là, ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'était l'objectif, mais je me faisais pas d'illusions, je me suis jamais dit quand je prends une formation, je cherche pas un gourou en fait. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent un gourou et quelqu'un qui va les guider, leur donner la solution ultime. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Enfin, ce serait pas mal, hein, ce serait bien. J'aimerais bien que tu vois juste un gonze qui m'explique ce que je dois faire et je touche le million à la fin de l'année. Non, non, c'était l'objectif, je me suis donné les moyens pour, j'ai réussi, parce que j'ai bossé, mais aussi parce que beaucoup de chance, parce que au bon endroit, au bon moment, opportunité forcément. Mais oui, enfin, c'était mon objectif. Après, je me suis pas dit c'est sûr et certain si je fais ce qu'il dit, ça a marché, quoi. Mais bon, c'était le but. Donc oui, c'était l'objectif. Ouais, puis t'as une bonne position aujourd'hui, donc bien joué. Et du coup, ok, maintenant ça fait 1 an et demi que tu es rentré dans la formation, tu bosses à Malte, tu es dans une agence, c'est quoi les projets? Mes projets perso ou les projets sur lesquels je bosse? Les projets perso. Où Ah, tu vas, où tu veux aller, qu'est-ce que tu ok. vas faire de. Alors, pour le coup, moi, je m'estime pas encore assez pro, etc. Bon, pour le coup, depuis que je bosse dans la boîte où je suis, je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, la boîte où je suis, par contre. Enfin, bref, c'est une agence SEO à Malte. On Ok. bosse dans le iGaming, donc les casinos en ligne, les sites de paris sportifs, finance, crypto. C'est ça qu'on fait. Et c'est de l'affiliation d'ailleurs. On gère des sites d'affiliation pour les opérateurs iGaming. Ok. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment je suis retourné à l'affiliation au final, mais sous un, bah, du coup, sur un spectre beaucoup plus large, quoi. Voilà. Mais donc non, mes projets perso, bah pour le coup, pour l'instant, j'ai encore envie de me perfectionner, j'ai envie de rester dans l'entreprise où je suis. Je sais qu'ils ont aussi une branche en Bulgarie, donc je me suis posé la question, peut-être dans 6 mois, je bougerai peut-être en Bulgarie. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas d'attache, je bouge, je suis au gré du vent, j'ai envie de voyager, donc. Pourquoi pas la Bulgarie et puis après, plus tard, peut-être dans 1 an, 2 ans, ouais, pourquoi pas partir, soit me lancer en freelance. J'aimerais bien faire du consulting, j'aimerais beaucoup faire du consulting pour le coup, mais je vais avoir la,
la légitimité de le faire. Donc du coup, ça veut dire qu'il me faut il me faut des connaissances, il faut que je percute. Il y a certains trucs encore où je coince des fois, je me dis putain, je trouve pas, c'est trop chiant, et parce qu'il manque encore un peu d'expérience, il manque ce petit truc, il manque ces petites connaissances qui font que mon manager, qui te connaît d'ailleurs, enfin de nom, quand je lui ai dit que je faisais une interview avec toi, il était content. Voilà, mais bon, coup, il a 12 ans de SEO dans les pattes, il regarde un site, il fait OK, ça, 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 putain, j'aimerais bien, moi je cherche pendant une demi-heure, il arrive en 5 secondes, et il a tout de suite ciblé ce qu'il n'allait pas. Donc bon, voilà, c'est ces trucs-là, moi j'ai envie de monter. Donc ouais, pourquoi pas faire du consulting après? Sinon, j'aimerais bien bosser pour des grosses, grosses boîtes. Ça, j'aimerais bien bosser pour potentiellement pour Google ou pour. Tu vois, j'aimerais bien aller en Irlande. Moi, j'aimerais bien vivre à Dublin. Donc bosser pour des grosses boîtes qui sont en Dublin, genre LinkedIn, ou pourquoi pas Google même. C'est vrai que ça me ferait. Ça, j'aimerais bien, quoi. Mais je ferais pas ça toute ma vie parce que je pense que c'est énormément de pression. Mais pour pouvoir le dire, quoi. J'ai bossé pour Google. Et Ouais. j'ai pas fait les pipes et le café, quoi, excuse-moi l'expression. Bah, j'ai bossé pour l'algo Google en tant qu'SEO consultant, SEO exécutif. Putain, ça fait plaisir. Ça, c'est. Ben c'est magnifique comme objectif. Et t'as le Voilà. temps, t'as 21 ans, t'es déjà plutôt bien maintenant. Donc voilà. Et c'est j'aime bien cette maturité que t'as de te dire. Il faut encore que j'apprenne, je suis pas prêt, parce que ça, c'est très bien. Si tu étais là et que tu étais trop confiant en disant maintenant je vais être consultant, ouvrir mon agence alors que tu as à peine 1 an et demi d'expérience, là, ce serait mauvais. C'est bien de prendre le temps d'apprendre des personnes qui sont autour de toi, qui ont plus d'expérience. Donc, bien joué. C'est vrai Bien que pour joué. le coup, les 1 an et demi, quand tu le dis, c'est vrai que quand je percute, c'est vrai que ça fait pas énormément de temps en fait. Mais c'est qu'en fait, j'ai bouffé, j'ai dormi SEO tous les jours pendant 1 an et demi. C'est que ça m'a aspiré, mais d'un truc, je partais d'une. Moi, à la base, ta formation, je te dis, c'était pour ouvrir 2 sites, histoire de me faire 1000 balles en plus par mois et tranquille, quoi, en parallèle de mon taf et de mon master que je voulais faire après. Et ça m'a englouti, ça m'a pris dans le tourbillon, et je te jure que ça fait 1 an et demi, je sors pas la tête du guidon. Enfin, si, évidemment. Je sors, je suis à Malte, voilà. Mais je veux dire, c'est que je me lève le matin, c'est SEO, je bosse SEO, je mange SEO. Donc du coup, j'ai pas l'impression que ça fait 1 an et demi. Vu que je fais que ça et que j'évolue et que j'apprends vitesse grand V, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que rétrospectivement, pardon, c'est vrai que ça fait qu'un an et demi. C'est Ça fait bizarre de me qu'un an voir et comme demi. ça. Ouais, mais du coup, tu as le temps et continue comme ça et ne lâche rien. Et du coup, je vais te poser une dernière question. C'est aujourd'hui, s'il y a une personne qui était comme toi avant de passer le cap, qui hésite encore à se lancer, que ce soit en ligne, que ce soit dans n'importe quoi, qui a peur de ce qui va arriver peut-être, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, moi, il y a une phrase enfin, il y a deux phrases, je vais me les faire tatouer d'ailleurs. C'est la chance sourit aux audacieux et qui ose gagne. Pour le coup, c'est un mot, c'est très simple, c'est une petite expression. C'est qui ose gagne d'ailleurs, c'est la devise des forces spéciales. Mais c'est vrai, enfin, pour le coup, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre? Le SEO, ça ne demande pas un investissement financier conséquent. Donc, tu n'as pas besoin de te ruiner ou d'acheter des. Voilà. Tu veux même les outils, les Ahrefs et compagnie. Tu prends un achat groupé sur les plateformes. Elles tournent sur le Discord. Je les ai vues, je les vois tous les jours. Ça coûte 10 balles par mois. Bon, 10 balles. Tu peux te permettre de mettre 10 balles en investissement. Et après, tu as besoin de quoi? Voilà. Tu prends un nom de domaine, tu prends les hébergeurs. Voilà. Le pack complet pour 50 euros, tu lances ton site. Et après, bah, ouais, si jamais tu veux mettre plus d'argent pour prendre des rédacteurs, avancer plus vite, tu peux. Mais si jamais tu veux être plus lent, tu peux prendre ton temps. Je veux dire. C'est ça qui est bien avec le digital, c'est que t'as pas besoin d'acheter des machines de fou, t'as pas besoin d'acheter du stock de je sais pas quoi. Tu peux tout faire juste avec ton ordinateur et Internet. Alors, pourquoi il faut se lancer? Et si on n'ose pas, et ben, si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais ne pas essayer, c'est prendre le risque d'avoir des regrets plus tard et te dire, ah putain, là je suis dans mon entreprise, je suis dans mon bureau, là que j'aime pas. Si j'avais su il y a 2 ans, je me serais lancé. Ouais, mais t'y as pensé, tu l'as juste pas fait. Donc lance-toi et puis tu verras bien. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, t'auras pas de regrets. Voilà. Très beau message. Merci à toi. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? C'est quoi ton nom? Bonne question. C'est Dalmar Kilian, je crois. C'est mon nom de famille, mon prénom. Tac. Ouais, Dalmar, Dalmar. Et plus loin, enfin, avec un K majuscule, Kilian. Parfait, je le mettrai en dessous de la vidéo du coup. Eh Ça ben, marche. Kylian, merci à toi. Merci d'avoir partagé ton parcours. Toute ton histoire parce qu'elle est quand même très inspirante et je pense que tu vas inspirer pas mal de personnes. Je te Ben, souhaite j'espère. énormément de réussite dans ce que tu vas entreprendre et ce que tu vas faire. Tu as 21 ans, fonce, continue, lâche rien.
Et bravo à toi encore. Ben, je t'en prie, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de revenir aux sources pour discuter et faire un petit bilan de tout ça. C'est très agréable. Avec grand Et plaisir. pour les gens qui sont sur le Discord, bon, c'est Ferry mon truc. S'il y en a qui veulent poser des questions, je suis pas très actif, mais j'essaie de répondre. On m'a envoyé pas mal de trucs, donc voilà. J'essaie de répondre, mais je suis pas très actif sur Discord.